Bonsoir à tous. Nous débutons notre semaine de débat avec la commune de DN. Nos trois invités sont en plateau. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Voilà, donc je ferai un bref rappel sur les élections de 2014 où Jeannie Marc avait eu 50,44% des voix. Elle était suivie par Max Mathiasin avec 39,92% et Félix Flemin 9,64%. Voilà pour un bref retour sur ces élections de 2014. Je vous rappelle aussi que ces élections municipales et communautaires se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Jeannie Marc, vous êtes maire sortant. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir aux affaires? Bien, je vais d'abord saluer les téléspectateurs de Canal 10 et particulièrement ceux de DN. Effectivement, comme je l'ai dit depuis que j'ai pris la décision, mes prédécesseurs ou les équipes précédentes ont mis en place un certain nombre de projets, ont engagé un certain nombre de démarches et d'actions et qui nous appartenait de pouvoir continuer de finaliser. Notamment, notre projet pour 2014-2020 qui contenait un certain nombre d'axes de progrès et d'engagement vis-à-vis de la population. Nous avons trouvé les moyens de mettre en place un PPI avec des partenaires financiers qui nous ont suivis et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir présenter à la population le projet 2020-2026. Peut-on dire que vous avez tenu vos promesses, celles que vous avez faites en 2014? Alors, il faut savoir que Jeannie Marc ne fait jamais de promesses, elle prend des engagements. Puisque j'avais dit une phrase qu'une téléspectatrice n'avait pas appréciée, j'avais dit que les promesses n'engageaient que ceux qui y croyaient. Effectivement, tout le monde peut faire des promesses, mais c'est quand on est à la barre, quand on a en main les éléments, qu'on se rend compte que on peut ou on ne peut pas. Donc moi personnellement, j'ai pris des engagements par rapport aux moyens que je sentais qui étaient possibles pour l'époque. Et vous avez respecté ces engagements? À plus de 80%. Alors c'est vrai que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés puisque ce qui était prévu avec la communauté d'Aglo du Nord-Bastère n'ont pas pu être réalisés dans la mesure où il y a eu des problèmes avec l'ancienne gouvernance de la CNBT et qu'il a fallu réfléchir et tenir compte des nouvelles contraintes budgétaires et puis surtout propositions ou des appels à projets fournis, que ce soit par l'Union européenne ou par le Conseil régional, et revenir sur notre position et faire d'autres propositions à la population qui correspondaient déjà aux engagements de 2014, mais encore plus en phase avec la réalité quotidienne de la population. Monsieur Goubin, vous êtes présent à ces élections. Je rappelle quand même que vous étiez dans l'équipe de Madame Marc. Est-ce qu'on peut dire que vous partagez le bilan avancé par Madame Marc? Madame Boissy, bonsoir. Bonsoir Madame Marc, bonsoir Monsieur Valiette. Je voudrais également saluer vos téléspectateurs, en particulier ceux d'hier. Donc votre question de me dire, j'étais dans l'équipe de Madame Marc, est-ce que je partage le bilan? Bien évidemment, quand on est dans une équipe, je partage le bilan pour ce que je connaissais et pour ce que j'ai eu à voter au sein du conseil municipal. Donnez-nous deux exemples. Écoutez, moi j'ai été engagé avec une délégation au départ en aménagement du territoire. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à rempiler, si je peux m'exprimer ainsi. Il fallait le clôturer, le finaliser, ce dossier. DEA a pu être doté d'un plan local d'urbanisme, et ça, je m'en réjouis, ce que bon nombre de communes ne peuvent pas faire actuellement. Il y avait d'autres dossiers qu'on a pu mener à bien pour doter la commune d'une réserve foncière très importante. Je veux parler de la procédure de bien vacances en maître. Vous m'avez demandé deux exemples, je peux encore vous citer des exemples, mais forcément, lorsqu'on est dans une équipe, il y a une part de bilan qu'on va prendre, il y a une part qu'on ne peut pas prendre. Ça, en fait, c'est tout à fait normal. Il faut rappeler.
Non, vous voyez, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez, mais non, j'étais que cinquième adjoint. Que cinquième, vous n'avez jamais été premier adjoint? Non, peut-être dans les rêves et les esprits, mais en réalité, non. Voilà. Donc, vous m'avez demandé deux exemples. Et moi, évidemment, je le répète, moi, je n'ai pas de problème avec cela, parce que j'étais dans une équipe et à me dissocier du bilan. Non, pour ceux que je connaissais et que j'ai eu à voter, je le répète. Alors maintenant, Monsieur Valuette, vous êtes à ces élections. Qu'est-ce que le maire en place a fait et que vous n'auriez pas fait? Qu'est-ce que le maire en place a fait et que je n'aurais pas fait? Votre question est à la fois tordue et inespérée. Alors, si je vais retourner la question en la rendant positive. Aujourd'hui, je peux dire que quand on prend l'option de dire que le tourisme, par exemple, doit être le moteur du développement durable, à ce moment-là, on va mettre tout en œuvre pour que ça soit une réalité. Par exemple, en quoi faisant? En étant à la hauteur des enjeux, tout simplement. La commune de Dieppe qui est passée quasiment la première commune de Guadeloupe en fréquentation touristique, n'est pas dotée de satellite ou non, par exemple, n'a pas de marché, en tout cas régulier, n'a pas un marché aux poissons. Quand un touriste arrive, vous pensez qu'il va acheter un kilo de poisson à écailler? Non, il a besoin d'un filet sorti, il va jusqu'à Pointe-Noire. Par exemple, sur les plages, pareil, les problèmes de sécurité, les problèmes de sanitaire aux normes, etc. etc. Donc, il y a tout le volet environnemental qu'on pourrait valoriser, le patrimoine de la commune aussi qu'on pourrait mettre en exergue pour que ça soit, rendre en tout cas le territoire plus attractif. Il y a matière à travailler en mettant en valeur toutes les potentialités de la commune pour la rendre encore plus attractive. Et j'insiste là encore parce que je ne veux pas dire que rien n'a été fait. Oui. Jeanne Marc, vous avez entendu Monsieur Valuette. Donc, il y a encore à faire, vous l'avez dit tout à l'heure. Sur quoi s'est basé vos actions pendant cette mandature? Alors, je vous l'ai dit au départ. Nous avons établi des priorités parce que lors de la réunion de présentation de notre candidature en 2014, les deux collègues étaient présents. Bon, Valuette n'a pas voulu continuer la démarche avec nous dans la mesure où il avait d'autres objectifs, mais Fred Goubin était là et donc nous avons élaboré ce projet en fonction de l'analyse du territoire que nous avons eu à l'époque. Et à partir de cette analyse du territoire, nous avons effectivement mis en place ce projet de territoire à partir d'une vision que nous partagions de ce territoire pour pouvoir mettre en place, premièrement, l'élément le plus important, puisque c'est ce qui constitue, qui participe à la dignité de l'homme, donc c'est l'emploi, favoriser l'emploi. C'était l'axe 1 de notre programme. Le deuxième programme, c'était le développement humain, puisqu'on ne peut pas développer un territoire s'il n'y a pas des hommes debout responsables et prêts à prendre la relève sur certaines actions au niveau du territoire. Le troisième point, c'est faire de DIE un espace avec un environnement préservé où la biodiversité sert justement à l'attractivité du territoire. Le quatrième point, c'était l'intercommunalité comme outil de développement et la gouvernance, l'innovation au niveau de la gouvernance du territoire. Nous avons élaboré ce programme ensemble. Nous l'avons élaboré ensemble. Et donc, après, il s'est agi pour nous de le mettre en application. Le mettre en application, on s'est retrouvé devant un certain nombre de difficultés. Notamment, je viens de vous dire, au niveau de la communauté d'agglo du Nord-Basse-Terre, au niveau des restrictions budgétaires au niveau de l'État. Et nous avons été obligés de revoir notre copie et de prendre l'essentiel. De revoir à la baisse, c'est ça? On n'a pas revu à la baisse, mais de prendre en compte à partir des appels à projets
Et puis d'abord, premièrement, parce que nous, en 2014, nous avons une situation, une capacité d'autofinancement qui était quand même en négatif, puisque nous étions à moins 50 000 euros. Et donc déjà, il fallait remettre en état notre capacité d'autofinancière, qui est le seul paramètre qui permet à un financeur ou à un partenaire de nous accompagner. Et donc, au fur et à mesure, 2014-2015, on est en négatif. Et à partir de 2016, nous avons culminé jusqu'à 600 000 euros en 2018 et en 2017. Et je pense qu'en 2019, nous ferons aussi très bien. Donc, il faut d'abord, on peut toujours avoir des idées. On peut toujours avoir des envies, on peut toujours avoir des visions, on peut toujours avoir des prospections, mais la première des choses, savoir comment on le fait et avec qui on le fait, et avec quels moyens. Et le moyen, c'est l'élément essentiel. Le moyen qui s'accommode par rapport à une vision globale qu'on a du territoire. Donc pour nous, c'était d'abord ça. Et aussi, le deuxième élément, c'était de faire en sorte que les hommes, donc le personnel communal, puissent nous accompagner dans cette démarche, puisque nous avons poussé le personnel à faire des formations et à se mettre dans une position qui leur permette justement de relever ces nouveaux défis de l'innovation pour la commune. En fait, vous dites avoir bien travaillé, en tout cas, vous êtes on n'a jamais, à, on a jamais la réalité de votre territoire, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui a pu pousser M. Boubet, M. Valuette à venir à ces élections, selon vous? Mais c'est eux qui vont vous le dire, parce que, bon, personnellement, ce sont mes deux jeunes, quelque chose que je viens de dire tout à l'heure, ce sont mes deux fils. On a été, Angebert a commencé en même temps que moi, en 95, il n'est pas venu en 2014. Fred a été mon collaborateur de cabinet de 97, je crois, jusqu'à 2004. Et ensuite, il a été... moi, je pense que c'est une nouvelle vision. C'est pas très commun, hein? Deux fils contre la mère. Non, ils sont pas très communs. Oui, allez-y. Il n'y a pas cette filiation. Entre guillemets, prenons ça sous le ton de l'humour. Voilà. Mais quand Mme Marc dit que j'avais d'autres objectifs, il faut savoir que les enjeux de 2014, c'est moi qui les ai sortis et que j'ai fait la déclaration de candidature et elle a parlé juste après moi. Il y avait cette ferveur, j'avais envie d'y aller. J'avais formulé une seule demande. Je ne voulais plus de décharpe, et je parle le langage de la vérité, je ne voulais plus d'écharpe, mais j'ai été celui qu'on avait aussi envoyé à la communauté en exil, presque en 2000, quand on a créé la communauté de communes, puisque il fallait me sortir aussi parce que je brillais trop. Donc, on m'a envoyé également à la communauté de communes, représenter la commune de Dyer, que j'ai fait dignement, puisque j'ai eu à doter cette communauté de communes avec l'aide, bien entendu, d'un conseil de développement qu'on a mis en place, d'une charte de développement qui est l'acte fondateur. Et on pourrait discuter très largement, très longuement sur cette intercommunalité qui, en fait, est-ce qu'elle en a voulu bien en faire ? Est-ce qu'on aurait pu utiliser l'interco comme étant un outil de développement, mais pas l'arrière-boutique des communes membres? Voilà, vous avez dit quand même aux Dyséens, je ne voulais pas d'écharpe. Là, vous vous dites, je veux bien. Non, si vous voulez. Mais ce que je disais, c'est que c'était pour mettre à l'aise Madame Marc, parce que c'est compliqué quand on a une équipe. C'est compliqué. Donc, je la mettais à l'aise en disant que ce n'est pas la peine de me donner, de me conserver en tant qu'adjoint, mais je veux aller à la communauté pour terminer ce que j'avais déjà commencé. Comme elle réclame aujourd'hui la possibilité de continuer ce qu'elle a commencé. Mais je veux dire, c'est quand même, il y a déjà 25 ans, plus les 18 avec Flemin, ça en fait 42. Il y a deux jeunes pousses, je ne parle pas à la place de M. Goubin, je peux parler pour moi, il y a quand même deux jeunes pousses. Apparemment, nous sommes de très bons élèves. Il y a même une époque, Mme Marc disait même que j'étais son faiseur de miracles. Ah bon? Ah si. Il suffit de rappeler par exemple M. Gaël, qui est l'adjoint au maire de Mme Julien à l'époque. J'étais son faiseur, parce qu'avec rien, je faisais quelque chose. Parce que j'étais toujours volontaire, parce que j'étais toujours à ses côtés. Donc, d'accord, M. Voilà. Goubin, sur cette partie, et puis nous progressons. Je pense qu'il est quand même bizarre
de constater qu'après 25 ans, Mme Janimard n'a pas pu trouver la relève dans son équipe. Là, nous sommes deux anciens colistiers. Aujourd'hui, elle demande à la population la possibilité de continuer en arguant du fait qu'il n'y a pas les bonnes personnes à côté d'elle. Donc, ça voudrait dire que pratiquement à DR, il n'y aurait que Janimard et personne d'autre. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément que je voulais quand même rajouter, et c'est important que nous puissions avoir ce moment d'explication. En 2013, j'ai décidé de prendre mes orientations politiques en démissionnant d'une association qu'on connaît à DI, l'association du maire. Et je disais que je ne scliais pas la possibilité d'être un allié sur les affaires, pour les affaires de DI. Ce qui explique mon engagement en 2014. Je me suis toujours considéré comme étant un allié. Et en venant en 2014, il y a toujours des tractations. J'ai dit à Janimard que je ne demandais rien pour moi. Je ne demandais rien pour moi. Ma seule motivation, et c'est vrai que ça me taraudait, à un moment donné, je me suis dit que je n'y allais pas, mais il y avait quand même un certain nombre de dossiers qui me tenaient à cœur de clôturer pour DR. Je viens de vous parler du PLU, je vous ai parlé du dossier des réserves foncières. Je peux aussi vous dire que au niveau de la communauté d'agglomération, c'était important avec un programme d'investissement pluriannuel de plus de 11 millions d'euros qu'il fallait qu'on ait un œil sur ces investissements-là. Donc j'ai accepté de continuer la bataille. Mais ça ne voulait pas dire que parce qu'on a été en 2014 ensemble, que j'avais abandonné mon projet de présenter à la population une offre politique. Pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que je n'avais pas dans cette équipe-là les réponses qu'il me fallait. J'ai une conception des élus, j'ai une conception des rapports entre hommes. Moi, ça ne me convenait plus. L'élu, pour moi, doit donner la pleine mesure de ses capacités. La pleine mesure de ses capacités, ce qui n'était plus le cas. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple de la gouvernance dans cette équipe-là. Où il y a un bureau municipal qui existe. Comment moi je l'analyse, ce bureau municipal? C'est une instance pour juguler les élus, pour les contrôler et à faire en sorte qu'ils jouent des rôles au sein du conseil municipal. Mais à aucun moment... Quand vous dites rôle... Mais c'est des jeux de rôle. En action, en posture... Devant le conseil municipal. Je vais vous donner un exemple. Et cela, j'en suis convaincu. Il y a une instance qui est suprême, c'est le conseil municipal. La deuxième instance, fixée par le code des collectivités, ce sont les commissions. Or, il y a à DR un système où le bureau existe et qui va dire aux commissions ce qu'ils doivent faire comme travail. Moi, je trouve que c'est inverser les rôles. La légitimité appartient aux commissions qui doivent travailler et faire remonter. Ça, c'est des points de désaccord, mais profonds. Par rapport à la manière de gouverner, de gérer, de manager une équipe. Je n'ai jamais considéré, je ne considère pas l'élu comme celui qui se limite à venir au conseil municipal et à lire des notes, qui lit des notes, qui n'est pas en capacité de tenir le débat avec l'assistance. Il lit la note, c'est une forme de besogne, et la personne qui défend le dossier, c'est le maire. On ne peut pas continuer comme ça. Dans une commune moderne, l'élu doit donner sa pleine mesure. Voilà les points de désaccord également. Merci. Janimard, vous avez la possibilité de réagir rapidement sur les points. Ensuite, nous passerons à cette phase perspective, vision au niveau des actions à mener. D'accord. Je vais d'abord répondre à M. Valuette. Quand M. Valuette dit que je l'ai envoyé en exil à la CNBT, M. Valuette était adjoint au maire et membre de la communauté de communes. Et je veux dire que nous étions quatre, et c'est justement pendant cette période qu'il a travaillé sur le conseil de développement. Je reconnais qu'il a fait un travail honorable en proposant à la communauté d'agglo ce document de base qui a permis... Enfin, à la communauté de communes, ce document de base qui a permis d'avoir une perspective et une vue sur le territoire. Sauf que M. Valuette oublie de dire qu'en 2008, quand il s'est agi d'élire le président de la communauté d'agglo, de communauté de communes,
que j'ai proposé sa candidature à messieurs Yakou et Toribio, qui étaient les maires de Sainte-Rose et de Lamantin. Et que monsieur Toribio et monsieur Yakou m'ont dit, si c'est toi qui es candidate, on vote pour toi, mais on ne vote pas pour un adjoint. Nous sommes arrivés à deux tours d'élection et j'ai dit non, le collègue a fourni le travail. Pour moi, il est essentiel que ce soit lui qui soit président, n'est-ce pas? Et au dernier moment, le vote s'est porté sur le nom de Yakou Richard. Donc je dis que si c'était en exil et si c'était, comme vous dites, que c'était comme une forme de punition, je ne vois pas où est la punition. Alors, d'autre part, vous parlez de la communauté d'Aglo, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y revenir. Monsieur Goubin parle de 2013, nouvelle orientation. L'orientation a été prise, quand je regarde bien avec du recul, elle a été prise en 2011. Quand il s'est agi d'élire le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, où Monsieur Toribio avait fait toute l'approche auprès des maires et il m'avait demandé son soutien. Je lui avais dit qu'il n'y avait pas de souci, que nous allions voter pour lui, donc il avait compté les voix. Et après, M. Losbar a dit non, il veut aller se présenter à ces élections. À l'époque, j'étais encore députée, c'était mon suppléant, et il était président du parti auquel j'appartenais. Nous avons eu maintes et maintes réunions pour leur demander de se mettre d'accord de façon à ce que nous puissions arriver à une solution. Jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc, monsieur, j'ai été obligée de dire à mes collègues qui étaient là, les deux là, puis une autre collègue, que nous allons prendre l'option Losbar, puisque c'est le président de mon parti, les élus de Petit-Bourg ne comprendraient pas. Eh bien, les deux collègues n'ont pas suivi tout à fait les consignes de vote que j'ai données. Et je crois que la première... Moi, je n'ai pas suivi. La première... Je vais aller plus loin. Oui. Alors, un collègue n'a pas voté. Il a refusé de voter. Il a voté. Enfin, il ne me l'a pas dit. Il m'aurait dit que, bon, je ne peux pas te suivre parce que, pour telle et telle raison, j'ai simplement vu, quand on a fait le décompte des voix, qu'il me manquait une voix à Losbar. Et donc, quand on est sorti de la salle, je devais être première vice-présidente et on me donnait un autre poste de vice-président. Et j'ai appelé les deux collègues, je leur ai dit, Losbar me propose le poste de premier vice-président et un poste de cinquième ou de quatrième vice-président. Mettez-vous d'accord entre vous pour que... Ah, mais il y a beaucoup de témoins qui étaient présents. Ah, non, mais moi, donc, je suis le il premier. Fallait, et vous n'avez pas été d'accord, puisque vous êtes fâchés. Pas du tout. Vous vous êtes fâchés. Pas du tout. Derrière la mairie de Sainte-Rose. Êtes fâchés et vous avez dit que vous allez démissionner, que vous allez faire un scandale, etc. Ah, non, pas moi. J'ai été obligée de me retirer comme première vice-présidente. Pas du tout. Et de placer M. Goubin, qui avait suivi la consigne de vote, comme deuxième vice-président et Angebert va lui mettre comme quatrième ou cinquième vice-président. C'est pas vrai. Et comment vous avez fait pour être les deux vice-présidents? Parce que José Toribio m'a cédé. Quand on arrivait, il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, mais on va avancer. On va avancer, mais je on sais. Mais non, là-dessus, mais quand même ce n'était pas la vérité. Et donc, 2011. Les choix étaient faits et les deux étaient déjà en compétition. Merci. Deux étaient déjà en compétition. Merci sur cette partie. Vous aurez la possibilité, lors de la campagne, d'expliquer un peu votre population. Il y a eu trop de choses de dites que ne pas nous donner la possibilité de nous exprimer sur cette partie. Alors, monsieur Goubin, il nous faut avancer. Donc, vous avez le droit à une petite parcelle Madame de Massé, parole, puisque nous devons avancer. La population demande à savoir ce que vous voulez faire. J'entends bien que nous devons avancer. Je comprends parfaitement que nous sommes là pour présenter notre vision, notre projet à la population. Néanmoins, il y a eu là une explication des choses historiquement. Il y a beaucoup de manquements. D'accord. Alors, on n'aura pas le temps de vous voir avez les manquements, trois témoins de ce qui s'est passé. Je vais faire des raccourcis, je n'irai pas plus loin. Il y a des manquements dans le récit que vient de donner Madame Marc.
Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on va, peut-être par la suite, comme vous dites, dans la campagne, ou peut-être par les preuves écrites, donner les explications qu'il faut. Merci. Merci. Maintenant, avec vous, M. Valuette, quels seront vos prix? On n'aura pas... Au fonctionnement. C'est simplement pour dire que nous avions fait un séminaire et d'un commun accord, nous avions dit la démarche, on partait de l'idée. Le bureau devait se prononcer sur l'idée puisque c'est l'instance politique. Ensuite, la commission travaillait dessus, faisait ses propositions. Et ces propositions revenaient en bureau municipal et servaient de base pour pouvoir arriver au conseil municipal. Merci. Il y a des commissions qui se sont réunies, d'autres ne l'ont pas fait. Merci. Monsieur Valuette, donc sur votre vision du territoire, vous avez dit il y a des choses à faire. Quelles seront vos priorités si vous êtes élu? Déjà, ma motivation première. J'ai une envie farouche, Madame Boissé, d'assurer... La transition politique et démocratique à Déhé face à un pouvoir aujourd'hui qui est devenu démagogique au service de combines politiques et à la recherche de records de longévité. Ça, qu'entendez-vous par combine? Je veux dire par là, c'est dans un système politique où soit il faut durer, soit il faut faire revenir d'autres, soit il faut aller soutenir d'autres, sauf les bons. Nous sommes les fils, mais nous ne sommes pas soutenus. Parce que moi, ma plus grande peine, c'est de voir Jeannie en face de moi. J'aurais bien aimé qu'elle soit à côté. C'est une peine pour vous? Oui, oui, je suis même affecté. Elle aurait pu être à côté de nous, sauf Fred, soit moi-même, pour nous accompagner. Moi, pourquoi n'êtes-vous pas avec M. Goubin? Puisque selon ce que je comprends, partagez les mêmes visions. Pourquoi je serai avec Fred à ses idées? Moi, j'ai également mes idées. Moi, je vous exprime ma conviction. Une première motivation, je viens de vous donner. La deuxième motivation que je pourrais vous donner, c'est que je reste persuadé qu'il y a un autre schéma de développement possible à Déhé, qui prend la direction d'une mutation vers le développement touristique, tout simplement en s'appuyant et en valorisant notre patrimoine, toutes les potentialités naturelles, humaines, historiques, patrimoniales que nous avons pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Et ma plus grande ambition, c'est justement de renforcer le rayonnement. Le rayonnement existe, mais il faut encore renforcer le rayonnement et encourager le plein épanouissement de tous les habitants de Déhé. En quoi faisant? Mais il faut de la vitalité, il faut de la compétence technique et financière, il faut une grande énergie justement pour moderniser cette collectivité-là. Et je pense que je suis en capacité avec mon équipe d'apporter cette nouvelle énergie à Déhé. Une réflexion politique stratégique qui permettrait un autre développement à Déhé. Que demande concrètement la population? Ben, la population demande déjà qu'on arrive à faciliter son quotidien. Et en quoi faisant? En essayant de lever tous les freins qui entravent le bon fonctionnement de la collectivité. Ne serait-ce que les ramassages d'ordures ménagères. C'est vrai que c'est de la compétence de la communauté d'agglo, mais c'est de la responsabilité du maire d'assurer la sécurité sur son territoire. Si ça crée des difficultés, des problèmes de sanitaires, par exemple. Donc, voilà, c'est avoir accès à la culture, au sport. Je ne peux pas comprendre une petite collectivité comme Déhé. Je ne dis pas d'avoir un gymnase olympique, mais d'avoir une salle. Il y en a qui existait depuis 2014, mais qui est devenue l'Arlésienne. Hein. Donc, nous, dans notre projet, par exemple, c'est de faciliter, justement, l'accession à une pratique sportive, culturelle. Et nous savons très bien quel rôle que la culture, le sport joue dans la cohésion sociale. Donc là, vous êtes le relais de ce que la population demande. Bien entendu. Pour pouvoir être le relais, il faut être à l'écoute. Et pendant six longues années, j'ai pris le temps d'analyser, d'observer et d'écouter les gens et pour proposer justement un projet cohérent et qui répond aux besoins de la population. Et le 9, dimanche 9, à ma déclaration officielle de candidature, j'aurai l'occasion de développer et de montrer la pleine mesure de ce qu'on peut faire à travers un projet cohérent pour le territoire. Merci, M. Valuette. M. Goubin, donc, vous avez dit, moi aussi, j'ai une vision du dynamisme, j'ai entendu aussi de la bonne volonté. Alors, comment pensez-vous agir sur le territoire ?
et surtout à partir de quelles priorités pour ces élections si vous êtes élu. Juste avant de répondre à votre question, par rapport au récit tout à l'heure de Janimard sur la question de l'intercommunalité, effectivement, elle a daté quelque chose de 2011. En 2011, j'ai décidé de ne plus être sous la coupe de ce leader politique. À partir de 2011, j'avais déjà décidé que j'allais présenter mon offre politique à la population, parce que ce à quoi j'ai assisté ce jour-là à la communauté de l'agglomération, je considère que la politique est un acte de courage. C'est un acte de courage, de valeur. Je n'ai pas vu de valeur, je n'ai pas vu de courage ce jour-là. J'ai décidé que je ne peux plus me faire guider. 2011. Il y avait des élections en 2014. Oui, bien sûr. Je viens de vous expliquer, je vous explique. J'ai décidé de ne plus me faire guider, de présenter mon offre politique. En 2013, je démissionne de l'association de Janimard, et je dis que je considère que les rapports vont être sur la base d'alliés. C'est ce qui explique mon engagement en 2014. Nous pouvons continuer à travailler pour DE, mais ça va se faire sur une base d'alliés. On va réfléchir ensemble et on peut le faire. C'est ce qui explique mon engagement. Pour ma vision du territoire, je ne vais rien vous apprendre. Après tant d'années, plus de 25 ans d'exercice du pouvoir en tant que maire, nous considérons que les bonnes réponses ne peuvent plus être portées. Ne peuvent plus être portées parce que les enjeux dépassent déjà. Imaginez qu'il y a un enfant, il y a des enfants qui ont aujourd'hui, qui ont déjà eu à voter peut-être deux fois. Il faut passer à autre chose parce que ça n'appartient à personne, l'exercice du pouvoir, même si ce n'est pas usurpé, mais à tout moment, ce n'est pas une propriété privée. Et donc, nous pouvons venir et être en capacité de proposer quelque chose. Qu'est-ce que nous proposons? Sur l'observation que nous avons faite de la commune d'Edéé, nous disons aujourd'hui, on va détailler dans la campagne électorale, il nous faut moderniser la commune. Ça, c'est imparable. Le moderniser, baser son développement sur un outil, c'est l'outil numérique avec le haut débit et le très haut débit ADE. Nous allons donner des exemples d'actions que nous voulons mettre en place. Nous voulons que la commune soit exemplaire. Aujourd'hui, on a la problématique de sécurité sur les plages. On a la problématique de l'accessibilité au niveau de la commune. Il n'y a pas d'exemplarité. Le problème est là de manière récurrente. On a eu des épisodes récemment là, à DEO, des accidents, des arrêtés, interdits de zones baignées, etc. Mais c'est une problématique qui est... Ça date. Donc nous voulons, et c'est une ambition forte, que la commune soit exemplaire sur ces questions. Alors, sur cette même question, que pensez-vous faire, puisque vous dites qu'il faut plus de sécurité? Mais je vais vous dire quelque chose. Que pensez-vous faire concrètement? Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu du boulot qui a été fait, mais comme il n'y a pas de conviction, on ne le poursuit pas. Et là, je rends un hommage. Je n'étais pas encore élu. J'étais simplement le technicien qui accompagnait Théo Gabalzinck. On a sorti le projet à l'appel, avec des miradors, avec des postes de secours. La mer l'a englouti parce que derrière, il n'y a pas de projet pour mettre en œuvre. Nous voulons changer cela. Nous voulons vraiment le prendre à bras le corps et porter des réponses qui puissent garantir à la commune un minimum de sécurité, parce que nous n'allons pas tout le temps perdre des procès devant les assurances à l'issue de chaque accident. Il faut le prendre à bras le corps. Nous voulons également que la commune soit apaisée. Aujourd'hui, il y a un sentiment, un vent de division au sein de la commune de Dieu. Il faut que le Dieuzien se retrouve. Qu'est-ce qui a entraîné ce vent de division? Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. La longévité fait que parfois, il y a des abus. Abus de pouvoir. La manière de on divise, on manipule, on instrumentalise en permanence. C'est pour ça qu'il faut changer de règne. Et puis nous voulons dire également que la commune doit être responsable et respectée. Responsable et respectée notamment sur la manière de manager les élus, mais également sur notre posture à l'intercommunalité. Nous devons être des élus convaincus de ce que nous faisons à l'intérieur de cette instance. Et là, il y a un chantier. Il y a un chantier parce qu'il faudra aussi, à un moment donné, qu'on tire les lignes sur l'action intercommunale. La commune a délégué deux personnes à l'intercommunalité. Aujourd'hui, il faudra qu'on analyse le bilan de cette partie-là. Donc, quand on dit responsable
et respecté. C'est dans le management des élus, mais c'est également dans nos postures, dans les représentations à l'extérieur de la commune de Dieu. Jeanne-Marc, alors, vous avez entendu M. Goubet et M. Valuette, et, mais ce qui importe, c'est de savoir est-ce que vous irez dans une continuité au niveau de ce qui a été fait. Est-ce que vous pensez changer de cap? Vos deux adversaires parlent de dynamisme, de modernisation, de modernité, donc de volonté de faire. Est-ce que tous ces aspects-là vous manquent? Et surtout, est-ce que vous pensez changer d'orientation pour que cette mandature soit différente? Je vais répondre par deux choses. Premièrement, je constate qu'il y a une forme de déni de la démocratie. Si j'ai été élu, c'est parce que la population de Dieu l'a voulu. Je ne leur ai pas forcé la main. Et la population de Dieu, c'est une population, en termes d'élection, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle fait. Je veux dire, en 2008, la population d'une main a voté Jeannie Marc comme comme maire de la commune de Dieu, dont Fred Goubin était le suppléant en 2008, et ils ont voté Max Mathiasin comme conseiller départemental. La même main qui a mis Jeannie Marc maire a mis Max Mathiasin. Donc c'est pour vous dire que c'est une population qui est très au fait de ses intérêts et qui sait quelles sont les décisions qu'il faut prendre et à quel moment il faut les prendre. Mais je ne peux pas ne pas répondre à Goubin quand il parle de courage en politique. Le courage en politique aurait voulu que, comme il a pris le courage maintenant en 2020 de présenter une liste aux élections, donc dès 2011, comme il s'est senti en désaccord avec nous, de quitter le groupe et d'aller en 2014 aux élections tout seul. Or, je constate qu'il dit que depuis 2011, il est en désaccord, il n'était pas d'accord avec cette offre politique, mais il est quand même resté dans le groupe. Il a quand même accepté d'être adjoint au maire et il a quand même accepté de rester jusqu'au 5 septembre, date de sa démission. Le courage politique aurait voulu que dès 2013, quand il s'est senti en désaccord avec le leader que je représentais pour lui, qu'il se retire. Mais enfin, bon, c'est pas grave. On a l'habitude de voir les gens agir en sous-marin et la population de DS saura au moment voulu faire ce qu'elle a à faire concernant son avenir. Donc, on parle d'abus de pouvoir. Enfin, j'aurais voulu qu'on puisse donner des exemples concrets et précis. Puisque quand on va dire à quelqu'un, j'ai signé votre permis, donc vous devez voter pour moi, je ne sais pas s'il y a abus de pouvoir à ce moment-là, puisque dans ma pratique de tous les jours, la population vient me voir dans son quotidien pour ses problèmes, problèmes d'emploi, problèmes de permis, problèmes de terre non déclassée, etc. Et à ces personnes-là, il faut donner des réponses concrètes. Et la personne, si elle veut après voter pour vous, elle vote. Si elle ne veut pas, elle ne vote pas. Mais je ne vais pas mettre en face de la demande qu'un administré me pose quelconque... un retour sur investissement. En tout cas, ce n'est pas mon fonctionnement. Mon fonctionnement, c'est d'être à l'écoute de la population, de me rendre disponible pour elle, d'aimer ce territoire et de faire tout ce qu'il y a à faire pour que ce territoire puisse se développer, pour que toutes les communautés qui vivent sur le territoire de Dieu puissent se sentir très bien. Alors, et que nous puissions continuer à donner des raisons de fierté à la population, parce que nous avons des jeunes qui réussissent. Alors, sur la question volonté, dynamisme, que pensez-vous, modernité? C'est la population qui dira. Je ne vois pas en quoi. Moi, je vais sur Internet. Enfin, ils le disent comme si j'étais quelqu'un d'un temps passé. Ça veut dire que aussi les gens qui ont peut-être... qui sont nés avant les années 50 ne devraient pas aller voter parce que, bon, ils représentent quelque chose de passéiste et qui n'ont pas leur place dans cette vision moderne et innovante de certains. En tout cas, moi, je ne me sens pas concernée. Je sens que j'ai
toute l'énergie qu'il faut pour continuer à accompagner DIE dans son développement. Il n'y a pas une personne qui vient à DIE qui ne me dise pas, on apprécie votre façon de faire, on vient à DIE, on se sent bien à DIE, DIE est accueillante, les gens sont bien, la commune est belle, la commune est propre, la commune a un beau développement. On est arrivé à allier à la fois maintenir l'authenticité de la commune et la faire entrer dans la modernité. Donc, ce que vous êtes en train donc, de dire, c'est pas un mandat de trop. Nous allons continuer le travail qui a été commencé si la population le veut. Donc, pour vous, c'est pas un mandat c'est de trop. C'est pas un problème. Là, si la population le veut, la population est là. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle demande à un groupe de personnes, j'ai mon territoire à gérer, il y a mes impôts, je vous confie ce mandat, ce travail, pour pouvoir m'amener plus loin. Donc, à partir du moment où, dans sa tête, le mandat d'élu, c'est ça, être au service d'un territoire et être disponible pour sa population, pour moi, je n'ai aucun problème. Maintenant, nous passons à cette phase question flash. Alors, vous avez la possibilité de poser une question au maire sortant, Monsieur Valuette. J'ai plus le temps de rédiger entre-temps, pendant que vous me parliez, une petite. Donc, je voudrais interroger Mme Marc sur cette méthode, la méthode qui est la vôtre qui existe depuis très longtemps. Pourquoi utiliser de façon démagogique, j'allais dire presque après 25 ans d'exercice de pouvoir, cette même pratique, cette méthode qui consiste à faire tous les travaux à la veille des élections et utiliser le budget communal à des fins électoralistes. Pensez-vous réellement que les Déhésiens et Déhésiennes vont se faire prendre? C'est surprenant quand même. Alors, c'était une question, Jeanne-Marc. Je profite pour rebondir, pour dire à M. Valuette oui. que de 2014 à 2020, je ne l'ai vu assister à aucune réunion du conseil municipal. Mais je ne l'ai vu sortir aucun écrit concernant le fonctionnement de la collectivité. Mais j'ai tout lu. Je ne l'ai vu dans aucune manifestation importante mais où les Déhésiens se retrouvaient. Donc, je trouve, s'il était venu à ces réunions, il aurait vu que la commune de Déhé a signé un plan pluriannuel d'investissement avec comme partenaire l'Europe, la région, le département, l'ADEME, EDF, etc., pour pouvoir réussir un certain nombre de projets pour la commune. Et donc, vous savez bien, quand on a, entre le moment où on a l'idée d'un projet et au moment où le projet se réalise, eh bien, il y a un temps. Il y a un temps de latence qui permet. Donc, les projets se font maintenant. Il n'y a aucun projet nouveau. Tous les projets sont dans les délibérations qui ont été prises au niveau de la commune de Déhé entre 2014 et 2020. C'est merci. Donc c'est la bien question la raison pour laquelle. Mal, Non, non, elle n'est pas mal. Merci. C'est la raison pour laquelle, par exemple. Monsieur Valuette, c'est une question. Monsieur je Goubin. Suis discipliné, je m'arrête. Ouais. Monsieur Goubin. Ma question était. La question que j'avais préparée, elle était relativement longue. Je vais la raccourcir. Non, la raccourcir, mais je dois porter des réponses à ce qu'il vient de dire. Alors, M. Goubin, nous sommes dans... Soyez disciplinés, M. Goubin. Nous sommes dans la phase question flash. Madame Boissé, on parle à la population des... Oui, mais M. Goubin, vous n'aurez pas le temps de tout dire. Non, je réduis sur la question. Non, c'est une question. Je dis simplement, Madame Marc est venue me chercher en 2014, après ma démission de Saint-Baptiste Ollier. Et je dis également que j'ai démissionné en septembre 2019, parce que j'ai considéré que j'avais pris un engagement Monsieur vis-à-vis Goubin, du conseil c'est municipal. Une question. Et l'embargo soyez qu'elle a mis discipliné. Autour de moi. Elle a mis l'embargo autour de moi, elle m'a demandé à l'administration. C'est je ça votre rien question pour que je c'est puisse ça signer. Votre question eh bien, j'ai tenu parce que moi, c'est on ne m'impose pas des postures. Merci. Voilà. Ma merci. Question est Monsieur le Goubin. Code électoral, le code des collectivités fait l'obligation aux représentants de la commune, au sein de la communauté d'agglomération, de venir deux fois par an rendre compte de leur action. Quand est-ce que Mme Marc l'a fait et Monsieur est-ce qu'elle Goubin, pense le faire? Voilà la question. Monsieur Goubin, je vous demanderai quand même de respecter le profil de l'émission. C'est une question flash.
Vous posez votre question et le maire. Mais vous n'aurez pas le temps si vous relevez tout, M. Goubin. L'émission ne suffira pas. Contre-vérité, c'est pas. Madame Marc, une réponse rapide à. Je voudrais demander aux collègues pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils s'affolent. Je vois pas pourquoi les contre-vérités, etc. Alors, je réponds 2011. 2011. C'est vous qui avez ouvert la brèche. 2011, vous avez pris la décision. 2013, vous avez quitté l'association, mais en octobre 2015, vous avez créé votre association qui a été déclarée en préfecture. Et vous êtes resté. C'était 2017. En fait, 2017, l'association. Monsieur Goubin, parce que à la question flash, je le rappelle. Merci. Merci. Maintenant, Madame Marc, vous avez je la possibilité même pas, pas, de questions à poser, de puisque poser ce, que, ce, que j'avais, ce que j'avais à poser, notamment à M. Valuette, pour lui dire pourquoi est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu, comme il voulait, le poste de vice-président à la communauté d'Aglo, comme il l'a demandé avant, pendant la période de campagne, avant les élections municipales. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il a laissé tomber le groupe? Alors, déjà, j'avais aucune intention préalable de laisser le groupe. Comme vous, Madame Marc, vous avez une ambition, et moi aussi j'avais une ambition, c'est de terminer ce que j'avais commencé. Et vous le savez très bien, l'Interco, c'était comme si mon bébé, parce qu'au moment où tout le monde voulait péter l'intercommunalité, je l'ai tenu. Et j'ai fabriqué son acte de naissance même presque, qui est la Charte de développement du Nord-Basse-Terre. Alors, en 2014, au moment où on allait élire pour la première fois au suffrage universel direct les élus communautaires, je me sentais quasiment dans l'obligation d'en faire partie. Et justement, c'est cette posture politique qui est subtile, et que vous savez très bien manier, et que vous avez utilisé aussi contre moi pour me ramener à la maison et que je ne sois pas justement au devant de la scène. Merci. Jeannie Marc, la question à M. Goubin. Mais je lui ai déjà posé la question pendant la discussion. J'ai demandé pourquoi il a attendu autant avant de donner sa démission, puisqu'il ne se sentait pas bien au sein de l'équipe qu'il avait élue comme adjointe au maire. Monsieur, oui, rapidement, pardon. S'il vous plaît. Rapidement, donc je vais répondre rapidement. Pour la simple et bonne raison, je n'ai pas été nommé adjoint, j'ai été élu par le conseil municipal. Et c'est un engagement que je prends, que j'ai pris également vis-à-vis du conseil municipal, et parce qu'il y a des prérogatives qui sont attachées à la fonction d'adjoint, qui ne sont pas forcément liés à la délégation du maire. Le maire, au lieu d'enlever des délégations, quand je dis acte de courage, le père Flemet a eu l'occasion de le faire, cette race de politique disparaît en Guadeloupe. Il a eu l'occasion de le faire, d'enlever les délégations. Lorsque vous constatez qu'un adjoint n'est pas en phase avec vous, vous enlevez les délégations. Mais vous ne faites pas. Passez dans les services. Dire à tout le monde de ne rien amener pour qu'il puisse signer. Dans mon casier, même pas la pub qu'il n'y en avait pas. Mais il fallait avoir le courage parce que le maire donne délégation et enlève la délégation. Et donc j'ai tenu à respecter mon engagement vis-à-vis du conseil municipal. L'affaire de la délégation du maire, c'est son affaire. Ce n'est pas mon affaire. Merci, M. Goubin. Maintenant, vous aurez la possibilité de vous expliquer encore plus face à votre population. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau et puis je vous souhaite une bonne campagne. Et quant à vous, téléspectateurs, excellente soirée. Merci.